une chic. Raton. Voilà, la chic. La chic de Ragon, c'est deux. Voilà, on est en winner round 2. Raton, raton le ragon. En tout cas, ça choisit les stages du côté de Enragon, du joueur Falco Sheik. Falco Sheik, Falco et plein d'autres persos en fait. Falco, etc. Falco et le sub de Greninja. Du coup, faut voir. Hein, en tout cas, par contre, là, le match-up, j'ai, il va j'ai être. J'ai pu voir la chic d'Enragon, elle est plutôt clean. En tout cas, le match-up, je sais que le match-up, il est pas mal pour Sheik, hein, celui-là. Oui, moi, c'est... Bah, voilà. Lucas a quand même le moyen de... Et le public qui est hype derrière. Lucas, ça fait plaisir. Il a les outils pour se battre contre Sheik, mais bon, Sheik en a un peu plus, quand même. Il a le combo grab, mais là, faut aller chercher la grab sur la Sheik. Ouais. Qui va passer son temps à faire des... En tout cas, ça essaie de punir au back air. Il essaie de trouver la petite smash. Ouais, ça essaie de trouver peu, l'ouverture. Hein. En tout cas, ça la galère. Même si le jab est trouvé et le petit zigzag avec le piqué fire aussi. Le piqué zigzag. C'est bon, hein, le piqué zigzag, c'est vraiment une bonne option. Seulement, Ness pouvait faire la même chose. Hop là, il a bien. En fait, l'air dodge de Lucas, il peut bouger pendant son air dodge. Ouais. Genre, il bouge à la frame 1, tu vois. Donc, pour le coup, ça le sauve. Ça le sauve sur ça. C'est ça qu'il a une air dodge de taré. Ah, il a très bonne air dodge hein, avec Ness. Vous êtes d'ailleurs aussi pas les meilleurs air dodge du jeu, mais on n'est pas loin quoi. Oh, et ça voilà. A tué. Ça tue, Chic, ça tue, on vous le dit. Voilà, après, je suis pas très safe. Enfin, du coup, en raconte, il a un peu de mal à suivre les air dodge, hein, c'est normal. C'est pas très simple. Ah, c'est sûr que Reed l'air de jouer. Tout le tout c'est pas évident. Hop là, il a bien. Même si encore chic, elle a la frame d'attaque pour même aller, même pas besoin de les Reed, c'est sous les lires. À ce niveau-là. C'est même pas sur de l'instinct. Enfin, en tout cas, on raconte qu'elle a l'air vraiment de bien gérer avec chic là. Ah, il nous montre une chic. Je pense qu'il doit bien s'amuser avec chic. Bah, chic, c'est amusant, hein. T'es libre comme l'air avec ce perso, tu fais ce que tu veux. C'est au moment où tu passes, ça peut saouler des fois. Après, quand tu passes de Falco à chic, ça fait un. Ça fait bizarre. Hein, t'as pas d'aile, mais tu voles mieux. C'est... Voilà. Cherche l'erreur. Tu voles mieux. Après, il maîtrise bien aussi les petits trucs chiants, là, on va les appeler. En tout cas, Demnik n'arrive pas à trouver le grave. Hein. Mais il trouve le up tilt et ça prouve le premier, la première stock. Ouais. Oh là. Cette bonne ride. Roule PD. Le public qui est là. Oh, nerf to nerf, c'est trop nerf combo. Nerf to nerf, c'est trop beau. En tout cas, là, ça va. Hop là, aller. Il y a ces trucs. Mais oh. Ah, c'est bien joué, ça. C'est beau. Hein. Et voilà, le punish guard. Oh là là, Enragon, il est on point. Hein. Aragon, il nous montre que sa chic, elle est pas. C'est pas une. Elle fout des claques! Ah voilà, c'est pas qu'une pocket chic! Hein. Enfin, quoi que. Je te fous! Ah. Allez, ça part! Ça fait des coups de pied sautés. C'est Aragon. 1-0 Aragon. Ça fait des bons coups de pied sautés comme ouais, ça. High kick! High kick! Shoto en tout cas. Chic! High kick! Overdrive! En tout cas, voilà, okay, c'est sur la même map hein, d'ailleurs. Là, et là, c'est un counter pick cette fois-là de Demnik. Bah, Demnik, il aime bien Battlefield avec Lucas, mais c'est compréhensible. Tu vois, t'as certains follow-up que t'as pas sur les plateformes avec Lucas. Il a enfin trouvé une grab. Est-ce qu'il va là c'est pas grand-chose. Ouais, toi, c'est. Je crois que c'est pas le premier grab là du set. Je crois que c'est un des premiers grabs de ouais, Lucas. Ouais, c'est le premier grab de Lucas. Et pour qu'on réfléchisse, c'est vraiment qu'on n'a pas eu beaucoup au cours de ce premier match. Ouais, est-ce que le deuxième va pouvoir changer cette information? En tout cas, la chic là, qui est passée. Là, qui reset bien le neutral avec ses needles et pour bien. Mais là, c'est encore une grave. Voilà, c'est Demnik qui est reparti là. Cette fois, là, on voit qu'il a les graves. Il a essayé de bail l'air dodge. Effectivement. On voit vraiment que Aragon, vraiment, il va chercher toujours l'air dodge et essayer de vraiment de le punir juste à côté. Il va pas essayer de faire des lui faire et tout compagnie.
En tout cas, Lucas, il trouve bien plus de grab. En même temps, il avait un peu peur de whiff, première game. Il s'est réveillé. Il a un peu DL. Bah, c'est que j'avais vu ça, c'était c'est que Damnik, il a un truc, c'est que la première game, il va peut-être se faire poubelle, mais juste, la game juste d'après, il est là. Et il est encore plus là qu'avant, et c'est ouais, lui qui a l'avantage. Ouais, DL, tout ça. Voilà, même par contre, même s'il perd ce premier stun. Tout en haut. Il aimait bien ses 26 fiches en ragon, il n'y a pas de problème. Ah oui, ouais, il maîtrise bien le mouvement. Hop là, c'est whiff, mais il va être puni, mais 15%, c'est pas grand chose. Mais bon, ah, c'est fini pour cette stock. Et la petite perfect pivot taunt. Ah, c'est ça, c'est des mises, tout le temps comme ça. Captain Zack, comme dirait Kriken. Non, Captain Zack, tu vois, il fait ses taunts au bon moment, des mises qui le fait juste tout le temps. Ah, il y a beaucoup de chic sur Battlefield. Le meilleur combo break du jeu, le footstool. Ça pardonne pas. En tout cas, là pour l'instant, c'est, même si Lucas a quelques pourcents, c'est assez even hein, au niveau du contrôle du stage. Les deux vont essayer de chercher. Mais le problème, c'est que le Piqué Fire est moins bon que les Nipples pour ouais. aller. Indel, pour... c'est un meilleur projet du jeu. Derrière. Mais non, c'est le Hadoken. Non, c'est le Shoryu. Hein, c'est le Shoryu, le meilleur pro jeu du jeu. Oh là là, c'est bien joué. Ça oh, et ça tue 2-0. Il air dodge, il se prend le smash. Cette fois-ci, il était à la bonne hauteur. Enfin, à la mauvaise. Ouais, par contre, le tipper du up smash de Shake, ça pardonne 0. Ah bah oui. Ça fait bobo. C'est un kill move. Totalement un kill move. Ça tue vite. En tout cas, bah. Ça va tirer cette fois-là sur Smashville, hein, Demi qui va, Smashville, Demi qui va changer de map. Il décide d'aller sur Smashville, bon, c'est je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je sais pas, peut-être il voulait pas aller sur Battlefield, il voulait pas aller sur... Bah quand tu perds deux fois sur la même map, t'as envie de changer un peu. Ouah, wow, ce qu'il tente. Hop là, le footstool, non. Le truc un peu sûr à mettre. Cette musique qui m'endort. Ouais, pareil, en plus je suis fatigué. c'est même pas la nuit, on est déjà fatigué. De fou. D'ailleurs, je sais pas si on peut dormir ici là. Je crois qu'il faut mettre un lit comme d'habitude. Parce que moi je vais dormir, c'est sûr. Faire comme Amine, il dort au ouais, tout début de la nuit, dort. Comme ça après pour toute la nuit. Quand il se réveille pour son set, il se fait tabasser par Aeron. Oh, il y a encore. Non, c'est vrai, c'est ce qu'il cherche. Hein. Il va vraiment mettre une pression au Lucas, comme ça il va obliger à air dodge. Ah, il a pris la grenade. T'as la grenade qui est au sol, bon elle a disparu. En fait comme Biffy Smash des combo lock avec les grenades. Oui, le truc que personne ne fait mais il faut en faire des vidéos puisque c'est marrant quand même. Faut dire que ça existe. Ouais voilà, ça existe donc c'est bien d'en parler. Voilà, il veut le smash hein, en ragon. Bah, et je le comprends, smash. Je le comprends. Par contre si le Lucas reste au sol, ça j'arrive pas de faire beaucoup de dégâts, en tout cas le Bassifish lui pourra en faire. Et hop là, oh, joli, bah oui, hein. Est-ce que ça va. Oh ça tente le backer cette fois. Il punit pas, hein, Lucas qui revient en air dodge. Mais j'ai l'impression que plus Lucas, il a rarement essayé de punir, il a plus essayé genre de se remettre bien sur le stage. Ouais. Au lieu d'aller essayer de tenter l'impossible avec la chaise qui tente l'air dodge encore. Parce que... ouais, et deux fois, il a fait la mauvaise décision. Et là il a attendu cette fois. Et Nick qui ne se renouvelle pas. Qui est sur la balle de match pour ce 3-0. Mmh. Est-ce que ça va se concrétiser ou est-ce qu'en tout cas Demnik va prendre. Ce match, c'est ce que nous allons voir tout de suite là encore, les middle qui encore font chier le monde. C'est quand Ragon qui est encore une fois, hein, le monde qui montre que sa chic elle est bien solide. Et le. Mais alors... cette fois, ah là, la première fois du set que c'est aussi serré. Hein. Ouais, en tout cas, là, c'est le match est serré là, même si là voilà, les pourcentages vont monter avec la chic. Ah voilà, ça monte vite avec chic. Enfin, ça monte genre, vite. Ça kill pas, mais les pourcentages ça les fait monter, ça c'est obligé. Ah bah normalement, la Sinkfish là, qui a tapé. Il voulait spike mais bon ça aurait pas tué de toute façon. Il se passe un truc à côté. C'est Cloud qui fait des oula, upers. Oula. Ça bouge de partout. C'est Cloud qui a fait des upers. Ouais voilà. Où il y a eu un upset. Qui a fait une back throw. Ouais. Putain, il y a un ragon là sur un setup. Mais il y a un ragon qui joue shake, venez ici. Mais oui. Yes, en tout cas, rentre là, la chaîne qui a un kill, on rigole, mais là, la chaîne qui a un kill pourcent. Ouais. Mais bon, après, pour trouver le grab, c'est toujours pas facile. Ouais, mais en tout cas, on a vu qu'il a. Voilà, le grab, il a trouvé. Et il a raté.
Est-ce que c'est là qui va lui coûter la victoire? Oui, ça a bien ri de la normale, la get-up attack. Oh, et ce side-chill qui est trouvé. Bien vu, bien vu. Mais parfait, en Je vais voir ce qui se passe. Vas-y. 3-0 pour Enragon.